L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie portez la caille au pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 7h30 dans matin et puis 7h dans soir. Avec pied poudré, on fait route. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Petite Maman Marie, c'est l'heure du grand format de l'actualité. Bienvenue dans ce bulletin d'information pied poudré pour cette semaine. Bonjour à tous les responsables de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations à notre archevêque Monseigneur Maxora Mésidor, au révérend Père Francky Désir, vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Salutations au révérend Père Frendy Petit-Homme Petite Maman Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos salutations vont également à tous les religieux, tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis d'une manière ou d'une autre la réalisation de cette nouvelle rubrique Pied Poudré. Merci d'être toujours des nôtres. Voici les différentes étapes que nous aurons à développer dans ce bulletin d'information. Sur le plan local, sorti 1er pour arriver 3 septembre 2021, c'était gros marché scolaire dans la paroisse universitaire côté parents yo t'est venu acheter pour préparer rentrer l'école pour année ça. Radio Télé Petite Maman Marie bra retourner sous ça. Jour qui était 5 septembre 2021, c'était gros marathon pour moun qui dans studio dans paroisse universitaire. Activité ça t'est commencé avec la messe et l'été fini avec un concert. Continuité de la catéchèse eucharistique toujours avec Monseigneur Patrick Anguis le mercredi 1er septembre 2021. Note de l'archevêché de Port-au-Prince pour la nomination de 3 prêtres dans 2 nouvelles paroisses. Sur le plan international, voyage apostolique en Slovaquie, l'épiscopat slovaque attend beaucoup spirituellement de la venue du pape François du 12 au 15 septembre 2021 dans le pays, un voyage sous la protection de la Vierge Marie. Libéria. Médicaments antiseptiques, ventilateurs, masques, casques respiratoires et d'oxygène ont été envoyés par le pape François aux hôpitaux dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Audience générale du pape François. Dans ce dernier chapitre de la lettre aux Galates, le pape François a rappelé comment Saint Paul les a mis au défi de regarder où ils se sont éloignés de leur foi et comment ils risquent d'annuler la grâce qu'ils ont expérimentée. Une interpellation qui vaut encore pour nous aujourd'hui. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information. Merci d'être toujours là pour le développement bulletin information ça. Pendant 3 jours, paroisse universitaire et famille Petite Maman Marie t'a décidé de soulager environ 500 parents pour entrer l'école dans l'année ça. C'est peut-être ça, sorti 1er pour arriver 3 septembre 2021, paroisse universitaire et famille Petite Maman Marie t'a organisé un marché qui t'a porté nom marché scolaire famille Petite Maman Marie. On suit ensemble qui j'ai ambiance l'entrée pendant 3 jours ça. Ça qui est au Brésil, ça qui est en Argentine, ça qui est en Europe, qui a gardé belle activité, marché scolaire, Petite Maman Marie. Là, nous, équipe moun, c'est 20 moun qui fait sous caillou, tellement bagaille pour PI. Vous demandez de côté de jouer avec vous. Est-ce que tête moins droite ou bien est-ce que tête moins pas droite? Quand là, nous aller dans une zone côté de belle tennis, belle soulier, pour tout mettre dans le pied. Et pourquoi? Belle soulier, ça, moi, là. Combien il vend? 1000 gouttes. 1000 gouttes? Comment 1000 gouttes là? 1000 gouttes par green? Non, père. Tous les deux pour 1000 gouttes seulement? Oh, mes amis. Ça a été saisi ce monde, mes amis. La part claire. Ou pas comme un bagage cher comme ça. Mon y'a pensé, soulier ou pas bon. Ou pas mon petit zoom sur soulier encore. Mes amis. Oh, belle bagaille. 1000 gouttes. Et ça, moi, l'écrit vrai, 1000 gouttes. Bon, qui en fait avant un bon marché comme ça? Ça qui passe? Depuis qu'on vient acheter dans Petite Maman Marie, pour l'école là, nous ne pouvons pas garantir pour qu'on fasse étudier à l'école. Paroisse universitaire, Petite Maman Marie, toujours fait de grandes premières. Et c'est ça qui fait différence là.
Nous dit Père Fonzi, petit homme, merci. Parce que vraiment, ouverture l'école là, c'est toujours un casse-tête chinois pour maman petite à chercher bagaille pour y acheter pour petit yo, vu situation pays. Nous bien contents, ça qu'a fait là, parce que vraiment nous acheter souliers, m'acheter cahier, m'acheter un peu de tout pour petit moi, pour un petit protégé que me gagne qui est avec moi. Moi trouvé prix vraiment très bas par rapport avec prix la rue qui c'est qui très aidé maman petite yo. Moi senti moi content et c'est pas la première fois Père Fondi a fait ça, elle fait là. C'est chaque événement il fait bay mon favoriser nous pour nous acheter et avec un petit prix. Moi senti moi content et me senti fier tout. Oui, moi content en pile. Est-ce que vous satisfait de valise achetée? Oui, me satisfait. Montez nos valises là. Et c'est un jeu valise, c'est même ça qui sous valise là, c'est lui même qui sous boîte là. Moi dégage moi quand même parce que me t'attendé yo passer annonce là, moi dit ah toute semaine non, me dit ah m'a dégage moi quand même pour moi si me ca j'ai un petit quoi pour me acheter. Yon valise avec yon boîte. Et à combien quoi boîte chez lui jeudi? Pour $280. OK, merci beaucoup madame et bonne journée. Radio Télé Petite Maman Marie et Famille Petite Maman Marie toujours mettez tout petit pour aider tout le monde qui besoin support dans un moment bien déterminé. C'est pour ça, jour qui était 5 septembre là, c'était gros journée marathon qui était organisé dans paroisse universitaire pour monde qui dans grand studio. Et activité ça, t'es commencé à la messe et il était fini par un conseil. On suit ensemble qui Jean messe ça t'ai pour journée et réaction quelques fidèles après la messe là et puis ensemble nous va suivre un extrait conseil ça. Impossible n'est pas famille petite maman. Quel soit côté si ouais pendant messe ça ou capable transférer par PayPal, par Zelle, par Cash App ou bien ou fait un petit transfert ou bien sous direct deposit, quel que soit ça lié, si ou capable faire, parce que la messe ça que nous faisons, tout ça nous fait là-dedans, n'a consacré pour nous mettre un petit quoi ensemble pour nous faire une petite action concrète. Dans zone sud. Et bien, moi, je vais l'acheter. Faut comme si nous aidions quelques monde relancer la vie. C'est pour ça que nous faisons comme ça. Donc, chaque monde qui prend le bon petit bagage d'enquête, je dis à la bonne enveloppe, l'offre mettez l'enveloppe capable de lever, déposer dans la boîte là. Donc, si quelqu'un qui a fait ça déjà, il est capable de commencer à déposer. Moi, je vais le préparer petit peu maintenant là. C'est son bail. Ce symbole là, il est important. Mais quel que soit à côté de sous la terre, il faut faire ça. Tout le monde qui vit là, monsieur, et l'autre monde, tout le monde dans le cas, cherchons les gens, voyons un petit cachap, nous avons un numéro sur l'écran. Nous avons côté au café direct déposit, côté au café un petit transfert. Fel. Matin, je vais vivre une belle messe. Parce que Omélie Péa et le message que nous avons recevoir à travers lecture, liturgie matin, hein? Donc, il te permet de toujours être confiant, toujours être solide. Pour nous connaître, pas rien qui est impossible avant Dieu. Si il était capable faire sous mieux yo tendez et ouais pas gain rien il pas faire pour vous même matin moi vivre un moment très spécial parce que prêche li révélé avec et vim particulier parce que à chaque pas moi fait dans la vie des fois moi quand tomber levé mais un seul bagage que me toujours connaît que bon Dieu là. Et moi faire confiance, quel que soit dans Samier, le Saint-Esprit a parlé pour moi quand même et me faire bon Dieu confiance. Maman Marie, son maman qui remet petite li, qui fait là, et elle me dit bon Dieu merci, parce que pour ça, le fait pour moi, je gagne l'argent pour me capable. Même si je suis tout ça me gagne, mais son maman, qui remet ma pile et moi-même le tout. Qui ça nous a fait sans ou Esprit Saint? Ou même celle qui est capable de montrer nous la prière, sans ou nous pas vous en y en Esprit Saint? Tant prie, Esprit Saint. Camper avec nous dans moment ça. Quand
ma foi, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois Saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois Saint le Seigneur, il vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront. Ciel et terre passeront. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux. Ciel et terre passeront. Ciel et terre passeront. Non, 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 ne passeront pas. Paroisse universitaire avec Radio Télépitit Marie, nos soucis pour former toute fidèle chrétienne catholique. Sous tout ça qui a un rapport avec l'Église universelle, là, toujours continuer série formation qui portait nos catéchèse eucharistique avec Monseigneur Patrick Harris. Et c'est jour qui était 1er septembre 2021 que catéchèse eucharistique là était continué sous thème rite pénitentiel. On suit ensemble un extrait de série formation ça. Yo dit nous Jésus penché sous belle-mère Simon qui était malade, après ça il parlait raide avec la fièvre là et puis la fièvre là quitté. Attendez bien oui. En français il dit nous, il interpella vivement la fièvre et celle-ci, c'est-à-dire la fièvre, quitta la malade. Si n'a réfléchi bien, c'est ma avec frère mio. Est-ce que la fièvre là, il gagne j'ai pour l'oué, il gagne oreille pour l'entendre et puis sous parler avec elle tant qu'il y a un petit monde et bien le cas obéir ou bien tant qu'il y a un adulte pour lui obéir. Attendez bien pour nous comprendre. Parce que si nous pas arriver pénétrer ti bagay sa yo, gen on bon ti anicroche n'a joine dans la Bible, yo capable virer tête nous et nous gen droit di bon bagay sa yo, yo gèlè pa gen sens. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus interpella la fièvre? Parce que en fin de compte, la fièvre n'est pas une personne. La fièvre n'a pas de vie. La fièvre c'est un mal. Et en tant que tel, dans la philosophie, le mal est décrit comme étant la négation de quelque chose. C'est-à-dire, le mal est un non-être. Le mal est assimilé au néant. Donc, le mal n'a pas de constitution interne et substantielle. Et comme ça, Oyo dit Kosea. Donc, alors, comment le mal peut-il être interpellé? Ici, le mal, c'est la fièvre. Ça prend la forme normalement de la maladie. Donc, le mal, ça peut être n'importe quelle chose qui nous arrive, mais ça peut être aussi la maladie. Alors, Jésus interpelle le... On aurait compris que Jésus interpelle le malade ou la malade, mais comment peut-il interpeller la maladie? Pour nous, vraiment, ça n'a aucun sens. Alors, qui sens ça gagne que Jésus parle raide avec maladie et puis maladie obéit. Ou grave non aucun doute. Par ça, c'est un bel évangile. C'est lui-même, nom de la vie. Jeudi, nous trouvons dans la paroisse Sainte Famille de Belloc, dans les Rogan. Côté nous venons chita parler ensemble avec curé paroisse. Je dis à son plaisir pour nous gagner un micro nous, révérend père Tony Chadik. Révérend père Tony Chadik, c'est curé paroisse Sainte Famille de Belloc et aumônier prison dans l'archidiocèse Port-au-Prince.
Révérend Père Chadik, Tony Chadik, alors on dit toujours Révérend Père Tony Chadik, ou bien Père Tony Chadik. Donc Père Tony Chadik, c'est mon Tigouave, Père Tigouave. Moi, grandi dans Tigouave et Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest là. Moi, vive en Haïti. Moi, rentré dans le séminaire en Haïti comme séminariste paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Petit Gouave. Moi, ordonné diacre prêtre dans l'archidiocèse là et puis m'a exercé ministère père dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Dis-nous, dans quelle année Père Chadik fait? Dans quelle année prend naissance? Oui. Moi, fait 30 mars 1967 Petit Gouave. Ou gain frère sœur tout ça? Oui. Nous sommes 12 en famille, hein? 6 garçons, 6 filles, il y a une qui mourit. Il était nous 11. Papa m'a maman mourit. Dis-nous, parlez-nous de parcours académique. Parcours académique, waouh, une grosse question ça. Fait l'école primaire dans l'école presbytérale Saint-Gérard Tigouave. Fait l'école secondaire moi. Et puis nous fait études supérieures qui mènent nous dans PA, philosophie, caso, théologie, toujours. C'est ça, en fait, parcours académique. Dis-nous, est-ce que, qui j'appelle journée pêche à commencer ou comment ça finit? Oui. Journée me commencer très tôt. 4 heures du matin, réveillé. Pour 30 minutes dans la chambre. Là. Donc, nous préparons-nous. 4h30, nous commençons à faire sport, 5h30, nous finissons. Nous préparons, et puis 6h, nous commençons la prière. Je fais chapelet d'abord. Je fais brevier, et puis je célèbre la messe, parfois le matin ou après-midi. Mais en général, 6h, je suis toujours entré dans la prière. Parfois, je fais chapelet, je fais brevier, et puis je passe célébrer la messe tout de suite. Si je fais la messe au cours de la journée ou dans l'après-midi. Si je gagne la messe, et puis je trouve enchaîné avec la messe. Parce que je célèbre la messe chaque jour. Depuis mon père, je suis jeune, depuis que je fais la communion, je trouve à l'église chaque jour. Pendant tout le parcours dans la vie, je trouve à la messe chaque jour. Donc depuis très jeune, je communie chaque jour. Ça vient que je vieille habitude pour moi. Je ne suis pas capable de journée, je dormir sans communier, donc sans pas célébrer la messe depuis que je viens de père. Note de l'archevêché de Port-au-Prince. Par décision de son Excellence, Mgr Max Leroy Mésidore, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, sont nommés Révérend Père Géto Jacques, curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Croix des Bouquets, Révérend Père Edwin Saint-Louis, curé de la paroisse de l'Immaculée Conception, La Grotte, Révérend Père Jean-Julien Ladouceur, curé de la paroisse Saint-Clair, Petit Place Cazot. Ces nominations prennent effet à partir de septembre 2021. Par amendement certifié conforme le 24 août 2021, en la fête de Saint-Barthélemy, apôtre. Signé Révérend Père François Portin, chancelier. N'après une petite pause, n'a tourné talet pour toute information qui concerne l'église là sous plan international. Sur le plan international, Slovaquie, les évêques attendent le pape comme bâtisseur et pasteur. À 2 semaines de la première visite du pape François en terre slovaque, les évêques de ce petit pays d'Europe centrale ont écrit une lettre pastorale aux fidèles sous forme de préparation spirituelle à ce voyage apostolique qui aura lieu du dimanche 12 au mercredi 15 septembre prochain. La première visite en terre slovaque pour le souverain pontife argentin se déroulera avec la devise suivante « Avec Marie et Joseph sur le chemin de Jésus ». Le pape François, adorateur marial, qui a proclamé l'année Saint-Joseph, vient nous encourager à une foi encore plus profonde en Jésus. Jésus, vivant effectivement présent, personnellement proche de chacun, assure d'abord les évêques de Slovaquie dans cette lettre datée du 28 août. Dans la force du moment présent, nous percevrons, guidés par l'Esprit Saint, le caractère unique de la mission du pape, et ce, en fonction du contenu des rencontres organisées en divers endroits de Slovaquie, explique l'épiscopat reprenant les différentes escales du Saint-Père dans le pays. La rencontre personnelle avec le pape François, partout nous percevons le pape François comme Pierre, le roc ajoute les évêques, appelant les fidèles slovaques à venir en nombre à la rencontre du successeur de Pierre
Il souligne l'importance de la présence personnelle. Dans la cathédrale Saint-Martin de Bratislava, il passera devant l'autel de Notre-Dame des Sept Douleurs. Le Saint-Père couronnera l'icône de la Sainte Mère de Dieu de Claude Kostov et ce voyage sous la protection de la Mère de Dieu se terminera dans le sanctuaire marial national dans la basilique de Notre-Dame des Sept Douleurs. COVID-19, le pape François offre du matériel médical au Libéria. Du matériel de santé a été envoyé par le pape au Libéria, pays d'Afrique de l'Ouest où les vaccinations se déroulent très lentement. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale, le père Denis Sébastien Nimen, se dit très reconnaissant au Saint-Père pour ce don, sa proximité n'ayant jamais été interrompue depuis 2020. Dans le cœur du pape François, l'Afrique et tous ceux qui subissent les conséquences de la pandémie sans ressources ni structures adéquates, plus de 5 millions de personnes sont touchées sur tout le continent africain. Le 11 août déjà, deux ventilateurs pulmonaires portatifs et d'autres fournitures médicales sont arrivés à l'hôpital catholique Good Shepherd de Sitéki. L'État sud-africain, qui compte plus de 34 000 cas de coronavirus, dont plus de 900 décès, à cette occasion, l'évêque de Manzani, Mgr José Luis Ponce de Leo, avait remercié le pape pour son rôle actif et moteur dans cette phase difficile de la vie de l'humanité. Le pape François a poursuivi sa catéchèse ce mercredi sur la lettre de Saint Paul aux Galates, en revenant notamment sur l'interpellation vive de l'apôtre et sa mise en garde contre toute forme de rigidité qui éloigne de l'Esprit de Dieu. L'intention de Paul est d'acculer les chrétiens pour qu'ils se rendent compte de l'enjeu et ne se laissent pas séduire par la voix des sirènes qui veulent les entraîner vers la religiosité basée uniquement sur l'observation scrupuleuse des préceptes, a expliqué le souverain pontife. Cette lettre aux Galates pourra nous aider à ne pas écouter ces propositions quelque peu fondamentalistes qui nous font reculer de notre vie spirituelle, a-t-il conclu, et nous aider à avancer dans la vocation pascale de Jésus. Dieu parle au présent, il ne nous abandonne pas, mais reste avec nous avec son amour miséricordieux. Dieu est toujours proche de nous par sa bonté. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons continuer l'explication de la lettre de Saint Paul aux Galates. Cette explication n'est pas nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. C'est ce que dit Saint Paul dans un conflit très sérieux avec les Galates. C'est aussi la parole de Dieu, parce qu'elle fait partie de la Bible, cette parole. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est ce qui s'est passé à cette époque et qui peut se répéter aujourd'hui. Et nous avons vu que dans l'histoire, ce que nous avons entendu s'est répété. Et donc c'est une catéchèse que je vais vous faire qui a été exprimée par cette lettre de Saint Paul. Donc il faut bien avoir cela en vue. Dans les catéchèses précédentes, nous avons vu combien l'apôtre Paul montre aux premiers chrétiens de Galate, de Galatie, combien il est dangereux d'abandonner le chemin qu'ils ont commencé à parcourir en accueillant l'Évangile. Le danger, en effet, est celui de tomber dans le formalisme. C'est une des tentations qui nous porte à l'hypocrisie, dont nous avons parlé la dernière fois. Le risque est de renier la nouvelle dignité qu'ils ont reçue, la dignité d'être sauvés par le Christ. Ce passage que nous venons d'entendre est le début de cette première partie de la lettre, donc vous pouvez la lire. Jusque-là, Saint Paul a parlé de sa vie et de sa vocation, du comment la grâce de Dieu a transformé son existence en mettant sa vie complètement au service de l'évangélisation.
À partir de là, il interpelle directement les Galates. Il les place devant les choix qu'ils ont accomplis et à leurs conditions actuelles qui pourraient rendre vaine l'expérience de grâce qu'ils avaient reçue et qu'ils avaient vécue. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Maman Marie, toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant la semaine ça. Parmi tout le monde ça yo, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout mon Seigneur qui a bien pour fêter un événement erré dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à Révérend Père Bélizier GC, Révérend Père Sauveur Wood et Révérend Père Guy Boussico qui a fêté jour qui a 10 septembre 2021. Bonne fête également à Révérend Père Hilaire Jean-Calix qui a fêté jour qui a 11 septembre. C'est pour bénédiction grand-mère là toujours sous nous et sous famille nous. Qui Jean projet famille petite Maman Marie avancé. Paroisse Michel Lefort qui dans zone Tigouave qui gagne comme curé Révérend Père Wilber Nonville travail commencé. Matériaux commencé à monter tant que roche, sable, ciment et fait. Travail a continué toujours dans mois de septembre là. Et famille petite Maman Marie a organisé pour gagner l'école dans la zone. Nan. Merci à tout le monde qui a contribué et qui a continué à contribuer pour travail ça. École presbytérale Marie-Madeleine, qui sous direction Révérend Père Fanel Floristal, l'école ça fin campé net et l'après avant l'école là ouvert à Nessa. L'école ça a gagné 10 salles de classe, un auditorium et un bloc sanité. À Nessa, paroisse universitaire, pastoral universitaire avec famille petite Maman Marie, organisez yo pour yo bay 1000 ti moun bourse année ça pour yo capable aller l'école. C'est peut-être ça, plusieurs délégations déplacées pour aller dans zone qui pire qu'il est pour yo capable faire inscription. Merci à tout moun qui te prend plaisir suivre bulletin information pied poudre pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Maman Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre bulletin information. Restez branché sur Radio Télé Petite Maman Marie pour reste programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie portez la caillou pied poudre. Pied poudre, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Et ici ou l'autre bord de émission ça a passé chaque jour à 7h30 du matin et puis 7h dans la soirée. À pied poudre, on fait route là.